Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu avec le titre, tu l'as vu avec la miniature, c'est une vidéo tranquille, c'est une vidéo pépouze, on va discuter ensemble, même si c'est plus moi qui vais parler que toi. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, avec la cagnotte Ulule, avec le projet du magasin, avec la chaîne YouTube, etc., etc. Donc cette vidéo est là pour ça. Donc si t'avais pas forcément envie de voir ce genre de contenu, hein, qui va être un peu chiant parce que je vais faire que parler, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner et à partir de la vidéo. Sinon, si cette vidéo t'intéresse, prends-toi un petit café, un petit thé, un petit chocolat, ce que tu veux. Tu t'installes tranquillement, posément avec ton téléphone, ta tablette, je sais pas. Et puis on y va, c'est parti. Petite transition stylée pour faire plaisir. Bien, nous allons commencer par parler du projet du magasin, de la cagnotte sur Ulule, etc., etc. Avant tout, je voulais tous vous remercier pour votre soutien sur Instagram, sur Twitter. J'ai vu de nombreux messages qu'on m'a envoyés sur Instagram pour m'encourager, donc ça fait trop plaisir. Certaines personnes ont partagé sur Twitter, sur d'autres youtubeurs un peu plus gros que moi, pour qu'ils puissent en parler en vidéo. Il y en a certains qui l'ont fait, donc merci, merci beaucoup. Tous ceux qui ont donné sur Ulule, bien évidemment. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont regardé YouTube, parce que grâce à vous, on en est là. Je mets un screen juste ici, parce qu'actuellement, je ne sais pas à combien on est. On a 48 euros et quelques, je crois. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc ça, je vais le rajouter sur la cagnotte Ulule, bien évidemment. Et on va parler du Ulule tout de suite, parce que ça y est, on a atteint les 5000 euros, on les a même un petit peu dépassés. Et tout ça, c'est grâce à vous aussi. Donc sur Ulule, on a atteint 5095, comme tu peux le voir juste ici, ce qui est énorme. Donc voilà, je tenais tous encore à vous remercier pour tous ceux qui ont donné déjà. Merci beaucoup à vous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire voilà qu'ils avaient participé. Il y en a d'autres qui m'ont dit voilà qu'ils avaient participé plusieurs fois et tout, donc ça fait trop trop plaisir. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir partagé aussi tout ça pendant les lives ou sur vos réseaux sociaux, c'était super cool. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant là tout de suite? Alors actuellement j'attends le virement de l'argent sur mon compte pour pouvoir aller à la banque et leur dire les gars ça y est, j'ai les sous, on peut y aller. Mais j'ai une petite couillasse qui est venue se machiner quand j'ai su que j'étais à 5000, où je me suis dit ça y est, je vais pouvoir lancer. Le local que j'avais trouvé m'a lâché au dernier moment. Alors m'a lâché au dernier moment, c'est un grand mot. Si tu veux, j'avais pas mis de réserve ou quoi que ce soit, parce que ça coûtait très très cher. Le temps de la campagne, le local est resté sans locataire. Et puis le jour où j'ai l'argent, il est loué. Donc là je recherche activement un local pour pouvoir commencer l'activité. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne, mais ça on en reviendra plus tard. Donc du coup, dès que j'ai ce putain de local, je lance les démarches administratives pour créer la société, pour avoir le prêt, etc., etc. Et on lance tout ça. J'espère vraiment commencer fin juillet, début août, ça serait cool. Pour commencer en septembre, pour commencer sur la rentrée, ça serait parfait pour un début d'activité. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc je recherche activement un local sur la Teste ou sur d'autres villes de ma région. Je suis en train d'élargir un petit peu les horizons. Donc du coup, pour ceux qui ont participé sur Ulule, je vous le dis en vidéo, comme ça au moins c'est fait, les contreparties qui sont prévues pour les donateurs seront faites que quand la boutique sera ouverte, ce qui est normal. Si le plan suit ce que j'ai dans la tête, ça sera vers fin septembre, début octobre. Voilà. En attendant tout ça, on va parler de la seconde chose qui est les vidéos. Je continue les vidéos, j'arrête pas, mais je passe de 2 vidéos par semaine à 1 par semaine. Parce que moi, ça me dégage plus de temps pour trouver un local et pour bosser sur d'autres dossiers que j'ai aussi en rapport avec la boutique, bien évidemment. Voilà, on passe à 1 vidéo par semaine, ça sera le dimanche à 13h, donc notez-le bien, c'est dimanche à 13h. J'essaierai de faire des trucs, des vidéos un peu longues, un peu travaillées, tu vois, ce genre de choses, même si celle-là, elle va pas être très longue et bien travaillée, mais voilà, c'est pour le contexte. Il y a aussi d'autres vidéos qui arrivent, un petit peu comme celle que j'ai fait la semaine dernière, que je vous m'en fiche, je sais plus quel côté, en partenariat avec des marques. J'ai eu pas mal de marques qui m'ont contacté très récemment, donc ça fait plutôt plaisir. Alors c'est pas des marques de ouf, hein, mais c'est des partenariats sympathiques. Là tu vois, il y a eu Zen Pop. Le prochain ce sera, je peux pas trop vous dire, mais c'est une application, donc vous verrez. Du coup voilà, il y a des vidéos sympas qui arrivent, il y a des vidéos lecture manga aussi qui arrivent. Les projets comme les chroniques de Jérémy Sensei ou les grosses vidéos que j'avais envie de bien bosser, de bien faire, je les ai mis un petit peu entre parenthèses du coup, puisque là le magasin arrive très prochainement, du coup j'aurai vraiment pas le temps de le faire et j'ai pas envie de m'engager dans un tournage en vous disant ça arrive et arriver au montage me dire j'ai plus le temps parce qu'il faut que je fasse le magasin, etc. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que normalement cet été, faire fin juillet, début août, si tout va bien, si j'arrive à trouver un local, il n'y aura plus de vidéos. Je rappelle que ça sera une pause, ce ne sera pas la fin de la chaîne. Je reviendrai plus tard, le temps que voilà, la routine s'installe et tout ça dans le magasin. Le prochain setup, ce sera là-bas, vous verrez le décor. Je vous prépare des vidéos, bien évidemment, de la visite de la boutique, etc., etc. Et j'ai aussi
prévu un petit truc pour vous. Alors, je vais pas le lancer maintenant parce que je suis encore sûr de rien par rapport au magasin, la boutique, etc., etc. Mais ce que je vais faire, c'est que parmi tous les abonnés, je vais en inviter deux à venir voir la boutique en avant-première. Alors, ce qui va se passer, ça sera par tirage au sort, etc., etc. Mais ceux qui auront donné sur Ulule auront une chance de plus de participer à ce concours. Donc, en fait, les personnes qui auront participé sur Ulule compteront pour deux pour avoir plus de chance parce qu'ils ont donné forcément de l'argent pour ça. Même si la plupart des gens qui ont donné une belle somme. Et dans la belle somme, la contrepartie, c'est d'être invité à la pré-ouverture. Donc, bon, voilà, vous verrez tout ça. Donc, j'inviterai deux abonnés, deux d'entre vous, à venir me voir. On fera une après-midi ou une petite journée ensemble pour... on fera des activités, on fera une vidéo, vous visiterez le magasin, etc., etc. J'ai pas encore tout bien prévu dans la tête, mais voilà, ça sera fait. Je le lance pas maintenant. Donc, ne marquez pas dans les commentaires, je participe ou quoi que ce soit, parce que c'est pas maintenant. Je le lancerai en temps voulu sur la chaîne, mais voilà, vous êtes prévenus qu'il y aura ce genre de choses. Et c'est fait pour vous remercier du Utip, du partage que vous avez fait, des messages que vous m'envoyez, etc., etc., etc. J'ai une dernière chose à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner en masse sur mon Instagram, parce que quand j'arrêterai YouTube, je ferai la pause, je partagerai tout sur Instagram, donc vous aurez un petit peu en avant-première les préquels du magasin. Voilà, donc j'essaierai de partager tous les jours mon aventure d'entrepreneur, mon aventure d'ouverture de magasin. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie encore énormément pour le Ulule. On a atteint l'objectif, c'est le début de mon rêve qui se réalise. C'est juste incroyable. Donc merci, merci à tous d'avoir participé, d'avoir partagé, etc., etc. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez encore participer sur Utip, ça me donnera un peu plus d'argent. Je vous cache pas que c'est plus on en a, mieux c'est. Donc le Utip est dans la description aussi, n'hésitez pas à y aller en masse. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À dimanche prochain, c'était Jérémy CNC, appareil photo.